Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la totalité de ma collection Colourpop. Une fois par mois, donc il y aura un nouveau type de vidéo. Donc je vais vous présenter ma collection et en fait après pendant une semaine totale, donc du lundi au dimanche je pense, ou du lundi ou du vendredi, je ne sais pas encore vraiment comment je vais faire, comment je vais m'organiser, mais tous les jours vous aurez un look avec cette collection. Donc ça sera une marque, une semaine, un look, l'intitulé du truc. Donc il y aura jour 1, jour 2, jour 3, patati patata. Donc tout d'abord je vais vous présenter la collection. Par contre je suis très très mal organisée. Donc là du matin vous avez la collection et du soir vous aurez déjà un make-up. Donc vous aurez deux vidéos en une journée. Veuillez m'excuser, je devais vous sortir cette vidéo ce soir, mais je viens de faire cette vidéo là où je testais les produits Action que je vous mettrai là quelque part en haut, que je vous ai déjà mis là hier soir du coup. Comme j'étais un petit peu en retard dans mon organisation vidéo, donc c'est la solution que j'ai trouvée. Donc voilà, c'est un petit peu mal organisé et tout, mais à chaque fois, du coup à chaque fois je décale, je décale, je décale, je dis non là c'est bon, je le fais. Après vous pouvez regarder les vidéos une autre fois, vous avez le temps et tout, voilà quoi, le stress, vous avez le temps. Donc pour commencer, on va commencer par les glitter gel. Donc Colourpop, c'est une marque. Donc Colourpop, c'est une marque que j'adore. Oui, quand on commande, il y avait avant un risque de fait douane. Maintenant, nous payons les frais directement lors de la commande. Donc moi, j'adore cette marque et tout. Franchement, la qualité, elle est top. C'est pour ça que j'ai voulu vous commencer déjà par cette marque-là. Parce que c'est ma marque chouchou. Je l'adore. C'est une marque que je peux quasiment presque que conseiller. Mais franchement, je l'adore d'amour. Vous l'avez compris. Bon. Maintenant, je vais vous présenter ma collection de glitter gel. Donc, pour commencer, j'ai la teinte 20A03 qui est donc comme ceci. Par contre, vous m'excuserez, je ne vais pas vous faire des swatchs de tout car ça va durer une éternité. Après, j'ai la teinte Disco Lady qui est comme ceci. Après, j'ai la teinte Love Language. Si je ne vous ouvre pas le bouchon, ça ne va pas trop le faire. Qui est comme ceci. Puis, j'ai la teinte Wish My Look. Qui est donc comme ceci. Celui-là, c'est des toutes petites perles. Après, j'ai la teinte Saphir. Puis j'ai la teinte Trippin on Sky Ski. Donc ce en collaboration avec Sailor Moon, qui est juste trop 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 beau. Donc là c'est le rose. Puis nous avons le violet avec dedans il y a des étoiles. Pas des étoiles, des demi-lunes et pareil qui est juste trop 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 beau. Et nous avons le Eternal Sunshine qui a un petit peu des effets holographiques. Et pareil qui est très très beau. Je vais faire un effort quand même, je vous mettrai des photos des swatchs. Je vais essayer de montrer comme ça, franchement ça ne ressemble à rien. Après nous allons passer à ce qui est pour le teint. Franchement pour le teint, leurs blushs, je les adore. Donc pour commencer j'ai ce blush qui est en collaboration avec Sheila. Il est très très rose et franchement je le kiffe, je l'adore leurs blushs. Ils sont top 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 top. Celui-là c'était celui avec la collection qu'ils avaient fait sur le thème fraise. Donc c'est le Shade U Lighter. Pareil, il est très très beau. Bon, il ressemble un petit peu à celui que je vous ai montré, mais franchement, leurs blushs, ils sont top. Je ne peux que vous les conseiller. Puis nous avons celui-ci, Catch My Vibe, qui est très très léger. Et franchement, pareil, ben, je l'adore. Avec le packaging, avec une petite robe, vous voyez que je l'ai bien utilisé. Encore un en collaboration avec Sheila, mais
Moi, je m'en sers plus comme bronzer. Ils appellent ça un blush, mais pour moi, c'est plus un bronzer. Et en collaboration avec Disney Collection, le Kish and Fring. Et pareil, il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Et franchement, les blushs, voilà quoi, je les adore. Et mon petit dernier arrivé. Donc, vous voyez, hop, il bouge. En collaboration avec Sailor Moon. Je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que je ne vais pas être déçue pareil. Donc là, j'ai toutes les petites palettes carrées. Oups, voilà, j'espère ne pas les casser. Donc là, j'ai la Smoke Snow, donc qui est dans les tons noirs, qui est comme ceci. J'ai la Sol. Je les ai presque toutes. C'est que, avant j'en avais aussi, mais comme je n'utilisais pas, je les ai revendues, qui est un peu dans les teintes orangées. J'ai la Strawberry Check, donc celle qui va avec le blush que je vous ai fait voir, qui est dans les teintes rose et rouge. Tu as regardé Power Rangers? Après, j'ai la Oh là là, qui est dans les teintes rose. Puis j'ai la I Love French, Frange, je sais pas, qui est dans les teintes pastel, qui est très 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 belle aussi, avec la lumière. J'ai la Lilac, celle-ci c'est ma chouchou, je l'adore. Donc dans les tons violet lilas. J'ai la It's My Pleasure, donc dans les tons violet. Pareil, qui est très très belle, que j'aime beaucoup. J'ai la Mar, qui est bleu marronné. J'ai la Blue Moon, que j'aime beaucoup aussi, qui est dans les tons bleus. Clairement, de toute façon, avec les packagings, on sait quelle palette on prend pour les couleurs. J'ai la Aura and Out. Pareil, pastel dans les tons verts. Je vous la mets un peu penchée parce qu'avec la lumière, le pastel, on ne le ressort pas très très bien. J'ai la Mint Chubby. Donc pareil, un peu vert mid pastel. Si je vous mets comme ça, vous voyez, hop. J'ai la Just My Look. Luc, qui est dans les tons verts. Hein. J'ai la Going Coconut, qui est très très nude celle-ci. J'ai la Ouhou au nez, qui est dans les tons jaunes. Bon, désolé, j'ai Gabriel qui est juste à côté de moi, il veut pas me lâcher. J'ai la Baby God Pêche, qui est dans les tons pêche. J'ai la Miss Blish, qui est très très belle aussi. Et j'ai la Orange You Glad, qui est pareil dans les tons orange, que j'aime beaucoup. Après, j'en ai passé à un autre format où celles-ci, elles sont en carton. Donc j'ai les deux en collaboration avec Disney pour aux princesses. Donc là, Elsa, le princesse Reine des Neiges, qui est comme ceci. Puis j'ai Anna. J'ai la New Moon, qui est très très belle, j'aime beaucoup celle-ci. Elle fait penser un peu à la Queen Coconut, mais c'est pas vraiment les mêmes teintes.
J'ai la Making Mauve. Maman. Qui est très très belle, j'adore celle-ci aussi. Et j'ai la Bitly. Qui est très très belle, qui pourrait peut-être que je pense à utiliser. Et donc maintenant, nous allons passer à celles qui sont comme ceci. Donc là, c'est la Film Rosa, que je n'ai pas encore testée. Je l'ai trouvée sur Vinted, qui est comme ceci du coup. Donc le packaging en carton avec des petites roses très très beaux. Là, celle-ci, il n'y a pas de miroir. J'ai la Toily Mighty Deeply, je ne sais pas le dire. Et franchement, celle-ci, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup. J'ai la Flutter By, les papillons, le packaging de celle-ci est juste magnifique, même la palette. J'ai la It's All Good. Celle-ci par contre, je n'ai pas d'inspiration quand je l'ouvre. Pourtant elle est très très belle, mais j'ai zéro inspi. Et le packaging est très très salissant. J'ai la Good As Good, qui est dans les tons dorés que je n'ai pas encore utilisé. J'ai la Bye Bye Birdie que j'adore. J'ai la At That, qui est très très belle aussi, qui est dans les tons bordeaux celle-ci. J'ai l'une des dernières, la Garden Variety, qui est très très belle aussi. L'une des dernières arrivées en collaboration avec Sailor Moon. Et encore une grande, la So Shy Day, que j'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai les fards mono. Enfin, c'est pas les fards mono, je sais plus comment ils les appellent ça. Les Super Shock. Donc, j'ai la teinte Frisky. Donc, c'est un noir avec des petites paillettes à l'intérieur. Après, j'ai la teinte Tassel, donc c'est un blanc argenté, pailleté. J'ai un gris argenté, donc la teinte Liberty. J'ai la teinte Cusp. J'ai la teinte Fantasy. La teinte Mousse qui vient de tomber. Super. Il vient de casser là en live et en direct. Bon, je vais le réparer après, mais il est comme ceci. Je ne vais pas trop le pencher. Après, j'ai la teinte Tazzle que j'ai en double. Donc, ça, je vais m'en séparer du coup. J'ai la teinte Cricket. J'ai la teinte Leaf of Tweed. Moi et mon accent anglais, c'est pourri quoi. J'ai la teinte Day Dripping. Et pour finir, j'ai la teinte Bloomer. Voilà, si normalement je n'ai rien oublié, je vous ai tout montré. Ah oui, et j'ai juste aussi un eyeliner que j'aime beaucoup. Ah non, j'ai encore oublié quelque chose. J'ai pas mal de crayons comme ceci. Par contre, je vais pas tous vous les présenter un par un, car vous les voyez presque tout le temps dans mes vidéos, car je les utilise énormément. Et franchement, je vous les conseille. Ils sont vraiment top, top, top. Je n'ai rien à dire. Je les adore, je les kiffe.
façon, quasiment dans toutes mes vidéos, vous les voyez, donc je vais pas vous trop vous en parler. C'est des crayons, voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire et que ce concept vous plaît. Moi personnellement, je n'ai jamais vu ce concept-là. Donc voilà, comme ça, ça me force aussi un petit peu à utiliser des palettes que j'aime beaucoup mais que je n'ai toujours pas utilisées d'une certaine collection. Donc tous les mois, pendant une semaine, vous allez me voir pendant une semaine. Bon courage, j'espère que ça va aller pour vous. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. Et désolé si ça commence mal de vidéo en une journée. Franchement, désolé, désolé, désolé. Pire, vous décalez. Vous décalez, celle du lundi soir, vous la regardez mardi, vous décalez. Enfin voilà. Voilà, voilà, voilà. Et tous les jours, il y aura aussi la photo sur Instagram. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi en commentaire quelle palette vous voulez voir en action. Comme ça, je ferai aussi un petit peu aussi en fonction de ce que vous voulez voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et pour pouvoir voir les prochaines vidéos, activez la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis gros bisous. Ciao, ciao.